avec ce qu'ils m'ont déjà certainement déjà partagé avec lui l'année dernière. Et voilà. Donc, bienvenue ici, bienvenue sur dans notre dojo. Je vais laisser la parole à Francis qui connaît beaucoup plus Fred que moi. En fait, moi je vais partager des ça avec Frédéric, mais je veux surtout partager plus de 50 ans de tatami, 55, avec son père déjà. J'ai connu Fred quand il avait 5 ans. Après avec Fred, avant qu'il soit cadre national et international, nous on avait la mère sur un nom d'un club familial. C'était mon seul et unique club pratiquement. J'ai passé ma vie là-bas et j'en suis fier. Et je voulais le remercier. Merci. On va saluer les mots, ensuite avec les bonnes articulations. Et puis après. Les deux morceaux de ceinture, ça représente dans les arts martiaux
le côté philosophique et le côté religieux, hein, et l'autre côté, c'est le côté technique. Et au départ, hein, les deux morceaux de ceinture ont la même longueur, et on commence au début à faire un petit peu de technique, à apprendre les règles de base au niveau de la religion. Alors, nous, on est moins religieux que les Japonais, hein, mais eux, là-bas, tout est important. Et souvent, dans les dojos, il y a des petits hôtels avec de l'encens, avec des bougies pour les divinités. Au bout d'un certain moment, un certain nombre d'années de pratique, la religion et la technique vont se retrouver. Hein, et normalement, on doit nouer ça dans un nœud. Voilà. Et le nœud le plus simple, alors c'est toujours le morceau de ceinture qui est au-dessus, qui travaille. Il passe en dessous les deux autres. Voilà. Et là, le nœud, il est pratiquement terminé. C'est toujours le morceau de ceinture qui est au-dessus. On passe par-dessus et à l'intérieur, et on va réunir la religion et la technique dans ce nœud-là. Et normalement, les nœuds sont de la même longueur, les morceaux de ceinture sont de la même longueur, parce qu'il n'y en a pas un qui doit privilégier l'autre. Si le nœud est bien fait, ça fait une belle paire de moustaches. Et si le nœud est fait à l'envers, ce que l'on voit souvent, ça fait un truc comme ça. Donc si vous avez un morceau qui part en haut, un morceau qui part en bas, c'est... Mais c'est pour ça, hein, on commence au début à apprendre la technique, à apprendre les bases de la religion. Ensuite, ça va se croiser à un moment de sa pratique. On revient et à la fin, normalement, on doit réunir tout ça dans un seul. Voilà le principe. N'oubliez pas ça, parce qu'on est une des rares disciplines à garder tout ce cérémonial. Et on a tendance à l'oublier vite. Et vous verrez que si vous avez l'occasion de voir des pratiquants qui font encore du sabre, ce qu'on appelle le Yaido, ils ont une manière particulière de saluer, c'est parce que au départ, il n'y avait pas de. Dans les escrimeurs, il n'y avait pas de droitier ou de gaucher. On apprenait à servir du katana à droite, toujours. C'était très 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 rare d'avoir un samouraï qui travaillait à gauche. Donc c'est pour ça que le katana se porte toujours à gauche. Et vous verrez que ceux qui font du yai, ils ont toujours d'abord la main gauche et seulement après la main droite pour faire le sen. Et normalement, ne quittez pas des yeux son adversaire potentiel. De manière à toujours pouvoir avoir accès à son katana. Nous, maintenant, on fait les sabus, ça ressemble presque à la religion. Mais c'est important toujours d'avoir un vrai salut. Et on ne doit pas décoller les fesses. Le seul cas où on décolle les fesses, c'est à la mosquée. D'accord ? Donc, pensez à ça, faites bien attention à vos deux ceintures. Vous allez vous mettre deux par deux face à face et on va s'échauffer un petit peu. Alors, ton prénom c'est D'ailleurs. Alors, je me déplace et lui il doit suivre mes déplacements. Si je recule, il avance. Si je vais à gauche, il va à droite. Si j'avance, il recule. Si j'ai à droite, il va à gauche. Et on garde toujours une marge de sécurité. Deux par deux face à face. Il y en a un. La partie basse des dorsaux. Donc, moi j'ai un petit groupe de taïso là qui fonctionne pas mal et on fait beaucoup d'exercices avec la ceinture parce que par rapport au poids et à l'haltère, la musculation avec le poids du corps c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc, simplement, moi je vais être bien stable, je vais descendre mon centre de gravité, elle va tirer, voilà, en petite position, elle ramène ici. Je me stabilise, elle ramène ici. Donc là on travaille un petit peu les dorsaux. Voilà. Et je dois mettre en déséquilibre. Donc je vais apprendre à me stabiliser. Allez, c'est parti. Si vous avez des bras fléchis, c'est exactement comme le ski nautique. Il y en a qui font du ski nautique ici ? Non, personne, c'est tout seul. Ah, on shift ainsi. Enfin, quelqu'un de bien.
En ski nautique, si vous avez ce qu'on appelle le palonnier, le triangle, si vous avez les bras fléchis, hein, quand les bras vont se tendre, il va y avoir un creux dans la corde et là on se casse la figure. Donc quand on fait du ski nautique, on doit toujours avoir les bras tendus. Ben là c'est pareil. Si j'ai les bras fléchis que ma partenaire tire, là mes bras sont tendus et elle est en prise directe. Elle peut tirer. Alors, je ne sais pas, je vais pas bouger. Elle peut tirer. Il n'y a pas d'accès. Si j'ai les bras fléchis, ça donne un coup de... On refait une série là. Bras bien tendus. Voilà. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Et pour déséquilibrer un partenaire, il faut de la traction. Il faut l'amener à sol, le partenaire. Mais à force de faire des développés couchés, on a tendance à repousser le partenaire, mais on ne l'amène pas à soi pour le déséquilibrer. Donc là, on va faire l'inverse. Donc elle est assise, et c'est moi qui vais travailler. Donc, par rapport à l'angle de traction, tout à l'heure, elle tirait vers le bas, elle travaillait le bas des dorsaux. Moi, je vais tirer vers le haut, je travaille le haut des dorsaux. Donc, je suis bien stable. Mon dos ne travaille pas. Hein, mes lombaires non plus, mes jambes non plus. Et là, j'ouvre. Voilà. Je suis bien stable. Et là, je tiens. Comme si j'ouvrais la tête. Allez, c'est parti. Je ne peux pas partenaire ça. Ainsi, j'ouvre la fenêtre. Là, je travaille les dorsaux. D'accord. Et si je fais ça, je travaille les biceps. Et c'est pas pareil. Donc là, c'est ouvrir pour travailler les dorsaux. Là, on va faire des biceps. Par contre, je ne dois pas travailler les dorsaux, donc je ne tire pas et je ne ramène pas. Hein, mes bras sont devant et je ramène les mains près de la figure. Mon dos ne travaille pas, mais mes bras sont devant. Et là, je travaille les biceps. Et je suis en supination, c'est-à-dire les paumes vers le haut. Allez, une traversée en biceps. Vous allez voir que c'est sympa. Je suis légèrement de profil, je fais sourité, équité. Sourité, équité. Sourité, équité. Alors ça sert à quoi? Là, si je fais un mouvement judo, ben, automatiquement je vais travailler ici. Ça sert à ça. Donc là, on est de profil. Je fais le tsurité avec la main droite et l'équité avec la droite. Et après on fait l'inverse. Allez, c'est parti. Vous allez voir que c'est pas évident. On sort, je change les gars. Allez, c'est parti. Deux par deux. On pense à accrocher les orteils. Ça forme un triangle. Et c'est pas évident, donc ça se travaille, c'est important. Donc là, ma partenaire va être à côté de moi, donc je pars en garde intermédiaire à droite, je pose mon genou droit sans qu'il y ait d'impact, ma main droite devant, ma main gauche en face, dans cette position, je pousse un petit peu avec les jambes et je fais une roulade à droite. Et j'arrive en dessous du judo. Hein, la plante du pied droit amortie, le bras gauche frappe. Ça, c'est pour les vibrations. Et surtout, ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on n'amortit pas. Même moi, le premier, je me suis rendu compte que quand j'étais jeune compétiteur, c'est vrai que je faisais tomber un peu plus les autres et que je tombais moins souvent. Mais pour les démonstrations, pour les katas, pour tout ça, bah, il fallait que je chute. Et les premières années, bah, je frappais, mais je n'amortissais rien du tout. Parce que le fait de frapper le rebelle bras, on n'absorbe aucune onde. Donc là, le travail le plus important, quand on fait une chute à droite, c'est la plante du pied droit qui va amortir, et c'est le bras gauche qui va absorber toutes les ondes. Donc là, ma partenaire, elle vérifie que je roule bien vers l'avant, bien sur l'épaule droite. Pas de ça. Les chutes sont omniprésentes. C'est pour ça que c'est vraiment important, quand je vous dis qu'il faut insister sur le fait qu'on ne doit pas arriver à blado, parce que là, on prend tout dans les talons et tout dans le coccyx. Hein, qu'on est sur le côté du corps, parce que ça préserve la colonne vertébrale. Comme si je suis à droite, c'est la plante du pied qui est amortie, mon gros orteil vient avec le talon. Si ma jambe est trop fléchie, c'est mon pied qui prend le talon. Si ma jambe est allongée, c'est le talon qui prend.
si les jambes sont croisées, c'est l'intérieur de la hanche qui compte. Donc là, ma jambe gauche est tendue, c'est le pied droit qui est en face. C'est lui qui fait tout le travail, c'est à droite. Ma main droite elle est posée sur la cuisse et pour les vibrations, bras tendu à gauche. Ma tête ne touche pas le tapis, c'est sur le côté et ma colonne ne touche pas le tapis. Donc c'est le même qui va refaire la chute. Vous me corrigez toutes les erreurs. Allez, on commence. Le même qui chute. Et on fait attention à toutes ces erreurs de position. C'est hyper important. Que j'encadre les stages un petit peu partout en France et à l'étranger. Et je peux vous dire que le travail des chutes, c'est ce qu'il y a de plus important. Autrefois, on consacrait énormément de temps à l'exercice de chute. Maintenant, on fait un petit peu d'échauffement, on fait une traversée en chute à droite et à gauche et après. C'est ce qu'il y a de plus important les chutes. C'est ce qui conditionne notre vie de pratiquant. Et dans la plupart des clubs, vous avez toujours des élèves qui sont réfractaires et qui ont peur de chuter parce qu'on ne leur a jamais appris à chuter. Et c'est le travail le plus important. Donc là, donc je vais aller tout doucement. On regarde à droite, voilà, écarte les pieds, Teddy. Et je vais faire une bonne sénégale à droite. Voilà. Dans cette position. Teddy reste bien droit, il va se mettre un petit peu sur la pointe des pieds, donc sur la pointe des pieds, regarde devant. Regarde devant, on frappe sa main dans le dos. Voilà. Et là, je vérifie quoi. Donc là, il faut qu'il soit dans l'axe, à la fois. Voilà. Les jambes là, donc les jambes là. Voilà. Le gros orteil en direction du talon. Maintenant c'est lui qui va faire une bonne finaguée, on va progresser comme ça. Donc là il fait son bonne finaguée. Voilà. Moi je mets un petit peu sur la pointe des pieds, je regarde où je vais chuter. Voilà. Je vais commencer à chuter. C'est toi qui as il a 14 ans c'est lui. Allez plutôt là-bas. Il a 14 ans. Donc mon partenaire. Voilà, il me fait une bonne sénégalie tout doucement, hein, pas trop vite. Voilà. Et il vérifie si ma chute est correcte. Et on progresse au prochain mouvement. Pas plus vite que ça. Une bonne sénégalie à droite. Allez, c'est parti. On vérifie l'impact. Et vous allez voir qu'il va y avoir des surprises. Voilà. Je prends bien par la ceinture. Normalement, il va être avec vous. Ça veut dire que, merci beaucoup, à part pour ceux qui ont un gros ventre ou un gros cul, normalement si on est bien constitué, il y a autant de poids au-dessus de la ceinture qu'en dessous de la ceinture. C'est normal. Et merci. Et quand on fait une projection de judo, on se sert du poids du partenaire. C'est-à-dire que quand on fait la projection, on doit passer sous le centre de gravité du partenaire. Oui, s'il te plaît. Donc, donc ça c'est mon petit Hugo, il a fait un petit régime. Il a trop mangé de chocolat pendant les fêtes. Voilà. Donc normalement si je prends mon petit Hugo par la ceinture, voilà, il doit être à l'équilibre. Je remets mon petit Hugo debout, voilà. Si je mets mes hanches ou ma ceinture au-dessus de sa ceinture, j'essaie de tirer pour le projeter, où est-ce qu'il y a le plus de poids ? Ce fait que pour le projeter, je suis obligé de l'arracher. Et là, ça demande beaucoup de force. Si je mets mes hanches ou ma ceinture au niveau de sa ceinture, je tire vers l'avant pour projeter, on va être à l'équilibre. Je vais être quand même obligé de tirer un petit peu. Et si je suis intelligent, je mets mes hanches ou ma ceinture sous la ceinture de mon partenaire, je tire vers l'avant, c'est son poids qui est. Ça ne marche que si le partenaire est droit. Et ça marche si je le tire vers l'avant. Si je le tire vers devant, il va se casser. Et là, Hugo ? Debout. Donc. Boulot. Pour Hugo, lui, son nœud de ceinture, sa ceinture, c'est déjà sous la mienne. Son centre de gravité, il est déjà sous le mien. Il a fléchi un tout petit peu. Par contre, inversement, moi, si je fais une projection à Hugo, écarte les pieds, si je reste ici, automatiquement, tout le poids du corps il est derrière, je ne peux pas le projeter. Donc ça veut dire que si je veux projeter Hugo, il faut que je fléchisse pour pas que mon centre reste droit. Reste bien droit. Et que je tire après vers l'avant pour que ce soit son poids qui l'entraîne. J'amorce juste le mouvement et c'est son poids qui va l'entraîner. Et ça c'est le secret d'un mouvement de judo. Et de jiu-jitsu, pareil.
Ça ne marche que si le partenaire est droit. Hein, et souvent, on voit en judo, voilà, ça sert à rien, je ne peux rien faire. Donc il faut qu'il soit droit. Et quand je tire, il ne faut pas que je tire vers le bas, parce que si je tire vers le bas, il va se casser ici. Mais il faut que je tire vers l'avant. De manière à ce qu'il soit déséquilibré. Donc pour Ippon Selege, c'est pareil. Et souvent, votre gros défaut, c'est que vous êtes placé, d'abord vous êtes trop haut, et puis après, et le partenaire, il reste collé. Donc moi, je dois fléchir. Voilà, je fléchis, et une fois que je suis fléchi, je tire vers l'avant. Et c'est son poids qui l'entraîne. Allez, on essaye une fois à droite. En essayant de penser à ce que je viens de faire. Il y a entre combinaison, confusion et enchaînement. L'enchaînement suit mon mouvement préféré, la combinaison amène mon mouvement préféré et la confusion c'est un mouvement qui est à l'inverse de mon mouvement préféré. Autrement dit, si je vais faire une combinaison sur Ippon Selege, je vais amener mon spécial. Je ne commence pas par Ippon Selege parce que si les réactions se passent, je vais enchaîner avec le technique. La combinaison c'est généralement une technique simple. D'amener le partenaire pour faire mon spécial. Donc là, je vais le mettre en danger plusieurs fois sur le coup au tigari. Et lui, automatiquement, quand il va sentir que j'ai un bon coup au tigari, il va retirer son pied avec. Et à ce moment-là, je le ramène en déséquilibre et je le combine. Ça va ? Donc vous allez essayer de faire ça, doucement. L'action de faire coup au tigari, de le repousser, de le ramener en déséquilibre. Si votre partenaire tire mal, vous corrigez l'impact. Ça, c'est la combinaison. Pour faire une combinaison, ce sont forcément des techniques simples dont on est sûr de la réaction. Au sautogari, je ne sais jamais comment il va réagir. Il peut réagir vers l'avant, il peut enlever la jambe attaquée, hein, il peut. Il peut faire chigota, il peut se passer, il peut passer au mouvement, il peut briser la force. Par contre, il y a deux techniques où je suis sûr de sa réaction, c'est Kouchigari et c'est Kouchigari. Parce que là, il ne peut pas faire Chigotai, sans déséquilibre. Le seul moyen pour lui d'esquiver dans de bonnes conditions, c'est le retrait de la grande attaque. Je le ramène sur déséquilibre. Laissez ça. Allez, vous pouvez sur les bonnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence entre combinaison, enchaînement, confusion. Donc l'enchaînement c'est ce qui va suivre la technique favorite. Pour un exemple, je vais essayer de surpasser, hein, et je vais enchaîner par exemple avec une. Ça va être doubler l'attaque. Je fais mon mouvement très très fort avec l'idée de le faire tomber, je surpasse et j'enchaîne avec une bonne sélection. Mais je pourrais enchaîner, hein, pour ceux qui préparent le grade supérieur, avec des techniques moins connues comme Tegaeshi. Il va se passer, je vais arrêter avec le bras. Et Tegaeshi, c'est le renversement avec la main. Et là, on voit quand tu vas se passer. Quand je vais faire mon boîte de l'équipe, il passe. Et là, je vais. Donc là, il est fauché avec la main. Tegaeshi, ça veut dire le retournement avec la main. S'il surpasse de l'autre côté, ce qui peut arriver, dans cette position, je tiens le judogi et là je pousse son tibia. Et ça, ça s'appelle tabagou. Donc c'est les deux formes d'enchaînement, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, pour ne pas doubler l'attaque, pour ne pas, comme dans toutes les prestations, il surpasse, et j'enchaîne avec Kouchiga, ou Kouchimaki Kono. Donc Tegaeshi, c'est le fait de faucher sa jambe quand il surpasse. Donc quand je sors très fort les hanches, il va passer. Barrage avec la main, et là il va être renversé par ma main, donc ça peut être. Et s'il surpasse de l'autre côté, là, je saisis le judogi, je descends sur le genou, et je pousse au niveau du tibia. Et ça s'appelle tabagou. Donc ce sont deux enchaînements, un petit peu
niveau de gamme que l'on peut faire sur l'icône Fennec. Je démarre par mon spécial, il surpasse d'un côté Jupiter et Gaïchi, retournant avec la main. Tamagourma. Par contre, la différence entre Tamagourma et Ikatagourma, Ikatagourma, je mets mon bras à l'intérieur, mais là, quand tu chutes, je m'arrache l'épaule. Parce que mon bras est coincé à l'intérieur. Tamagourma, c'est pousser son tibia. Et le fait de descendre sur ce genou-là, ça met les gens en déséquilibre. On essaye? Allez! Te Gaeshi et Tamagourma. C'est difficile de le faire en démonstration. C'est vraiment quand on s'est entraîné plusieurs fois à le faire en entraînement et que dans l'action, le partenaire il essaie de surpasser le Ippon Senage, c'est au moment où il va surpasser que là on vient le cueillir. Et c'est là où on prend les plus belles galettes. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue. La confusion, alors qu'est-ce que c'est qu'une confusion? C'est une feinte. C'est une feinte. La confusion, c'est un mouvement qui est diamétralement opposé par rapport au spécial. Ippon Senage, c'est un mouvement avant-droit. Quand on parle de la direction, c'est toujours la direction du partenaire. Dans les arts martiaux et en judo et en jiu-jitsu, on a quatre directions principales. Un mouvement arrière-droit, comme par exemple au shigari, comme par exemple au shigari, c'est un mouvement arrière-droit. Un mouvement arrière-gauche, comme au shigari, un mouvement avant-droit, comme Ippon Senage, un mouvement avant-gauche, comme ça serait une. Cette direction principale pour faire chuter un partenaire, mon adversaire. Donc comme mon mouvement qui peut se déléguer, c'est un mouvement avant droit, la confusion idéale, ça sera un mouvement arrière. Parce que quand lui, je vais le projeter vers l'avant droit, il va rester dans la direction opposée. Mais pour qu'il y ait réaction, il faut qu'il y ait danger. Si je le mets plusieurs fois en danger sur Ippon Senage, hein, et qu'il sent que j'ai un Ippon Senage qui est puissant, quand je vais amorcer mon Ippon Senage, il va tout de suite être sur l'arrière. Et là, je pourrais faire ma confusion. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer plusieurs fois Ippon Senage, vous demandez à votre partenaire de résister vers l'arrière-bouche. Et après, au dernier moment, vous changez de direction. Mais il faut quand même amorcer le Ippon Senage. Hein, je ne vais pas directement dans la route. J'amorce, et au milieu de mon action, je reviens vers l'arrière. Et ça, c'est une confusion. Allez, on essaye. Est-ce que je peux faire Ippon Senage quand mon partenaire avance le pied droit? Ça pose pas de problème, Ippon Senage, ça marche très bien. La deuxième opportunité, c'est avancer du pied gauche. Donc, est-ce que je peux faire Ippon Senage quand mon partenaire avance le pied gauche? Pas de problème. Ça marche très bien. Troisième opportunité, c'est recul du pied droit. Est-ce que je peux faire Ippon Senage sur le pied droit? Je peux le faire qu'à une seule condition, c'est de créer le déséquilibre. Voilà. Et à ce moment-là, je rentre dans la brèche, il est en déséquilibre avant, ça fonctionne. Recul du pied gauche, quatrième, même principe, je le laisse reculer, je le ramène vers l'avant, et je monte avec. Cinquième, déplacement latéral vers sa droite. Est-ce que je vais faire une pince à laguer? Oui, ça marche très très bien, parce que là, je vais déséquilibrer sur un appui, me positionner, continuer. Sixième, déplacement latéral vers la bouche. Oui, non, oui. Non, c'est pas possible. Parce que s'il va vers la gauche, ça s'appelle briser la force en judo, le même déséquilibre. Et c'est pour ça que quand vous avez un partenaire qui fait Ippon Senage, et ça c'est une défense sur un mouvement. Et vous regarderez en judo actuellement, il y a plein de compétiteurs qui envoient leur partenaire vers la gauche et qui essaient de faire Ippon Senage. Le seul qui peut faire ça, c'est Ilias Iliadis. Et lui, il a un dos comme ça. Il a des reins comme ça. C'est le seul. On ne peut pas envoyer un partenaire dans une direction pour le projeter dans l'autre direction. C'est antinomique. Déplacement circulaire vers sa droite. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je prenne de vitesse. Et déplacement circulaire vers la gauche, c'est impossible. Parce que là, automatiquement, il surpasse de l'autre côté. Donc ces 8 déplacements-là qui sont codifiés, c'est ce qu'on appelle les opportunités. Donc il y a des mouvements de projection qui marchent sur une opportunité, il y en a qui marchent sur 2 opportunités, il y en a qui marchent sur 3 opportunités. Ippon Senage, c'est un mouvement où il y a le plus d'opportunités. Mais déplacement latéral vers la gauche, c'est impossible. Déplacement circulaire vers sa gauche, c'est impossible. Et quand on parle du déplacement, c'est toujours du déplacement de hooker.
Maintenant que l'opportunité elle soit créée ou offerte, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Il ne faut pas dormir. Alors, si je crée l'opportunité, si je veux que mon partenaire avance le pied droit, c'est moi qui vais l'amener en traction. C'est moi qui crée l'opportunité de faire avancer le pied droit. Mais il peut m'offrir cette opportunité. Il fait au Uchigari, par exemple. J'enlève la jambe, il a son pied droit avancé, et là il voit comme moi. C'est la différence entre les opportunités créées ou offertes. Ça va ? Donc là, sur Ippon Senagier, vous avez essayé de me faire trois opportunités différentes que vous sentez bien. Par contre, sur le recul, il est impératif de créer des équilibres. Je ne peux pas le laisser sur son appui, sinon je suis obligé de faire une technique arrière. Ça va ? Donc ceux qui préparent un quatrième dan technique, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Je le fais sur Ippon Senagier, mais c'est tous les mouvements. Allez, c'est parti. Donc c'est une opportunité. Quand on construit son judo, on doit automatiquement avoir occupé les quatre directions. C'est-à-dire que là, j'ai mon Tokiwaza qui est Ippon Senagier, mouvement avant-droit. Je dois occuper l'arrière-droit. C'est-à-dire que si je sens qu'il résiste vers l'arrière, je dois pouvoir enchaîner, par exemple, en Kouichi Makikomi. Ou Kouichigari classique. Hein. Je fais Ippon Senagier, il surpasse, et là, je travaille Kouichi classique. Mais j'occupe l'arrière-droit. Je dois aussi occuper l'arrière-gauche. Bah, l'arrière-gauche est facile. Kouichigari, ça me plaît bien, parce que s'il enlève sa jambe, et ben on est sur recul, amené, et on trouve notre combinaison tout à l'heure. Et après, c'est l'avant-gauche. Donc l'avant-gauche, ça peut être sans changer de kumikata, ça peut être Sasae Uinagumma, ça peut être Serinagi à gauche, à droite, et j'ai mes quatre directions. Et lui, il ne sait jamais dans quelle direction je vais aller. Et ça, c'est l'apanage des grands judokas. Je peux très bien attaquer Kouichigari, marquer sur Kouichigari, mais s'il enlève la jambe, moi je peux ramener et faire mon Ippon Senagier. Je peux très bien faire Kouichigari, Kouichigari, parce que ça va bien. Je peux très bien faire Kouichigari, Serinagi à gauche, et là je suis dans les quatre directions. Et ça, c'est le judo. Et pour le jiu-jitsu, c'est pareil. Il faut trouver ces quatre directions. Donc quand on prépare un grade technique, quand on prépare la compétition, c'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, quand j'étais en équipe de France, comme je le dis à mes élèves, pendant un mois, je ne faisais que Kouichigari. À l'entraînement, je faisais que ça. Alors, c'est vrai qu'au début, je prenais des gamelles. Au bout de 15 jours, je commençais à en mettre. 3 semaines, j'en étais un peu plus. Et au bout d'un mois, je gamelais tout le monde sur Kouichigari. Voilà, c'est ça, c'est la forme de travail. Hein, mais il faut se fixer un objectif. Donc vous allez essayer, à partir de Ippon Senagier ou à partir de votre mouvement préféré, qui peut être Taïdoshi, Araïdoshi, Morote Senagier, de combler les trois autres directions pour avoir les quatre directions complètes. Et après, je vous interroge. Allez, c'est parti. Je dois préparer son jeu. Et pour le jiu-jitsu, c'est exactement pareil. C'est fait de combinaisons, d'enchaînements, de reprises d'initiative et dans différentes directions. Quand on fait un Serinagi, on va classifier en deux manières principales. La première, c'est fléchir un petit peu moins et sortir les hanches. Ippon Serinagi, c'est le bras fermé et le poing fermé. Serinagi, c'est avec la saisie du judogi. Mais je fléchis, je sors les hanches pour faire barrage. Et tous les grands spécialistes de Serinagi, quand ils font cette forme-là, hein, jamais ils ont les pieds écartés parce que sinon ils ne peuvent pas sortir les hanches. Hein, et on dit toujours qu'on doit regarder le talon gauche du partenaire parce que ça fait sortir les hanches. Et la deuxième forme, c'est à la japonaise, c'est-à-dire que je passe sous son centre de gravité, par contre je relève, je tire vers l'avant, et je relève pour avoir une action simultanée d'élévation et de traction. Et c'est le seul cas où je reste dans l'axe, c'est le seul cas où je relève. Et tous les grands spécialistes japonais, quand ils font des ils vont sous le centre de gravité, hein, ici, ils relèvent. Hein, pour ça, il faut avoir des bonnes cuisses. C'est le seul cas. Et quand je fais Ippon Senagi en sortant les hanches, à aucun moment je ne relève mes jambes. Je fléchis,
Et pour les plus gradés, vous allez le faire CEI Dagué, il surpasse. Voilà, on a un petit peu. CEI Dagué, il surpasse. Et là, je vais sortir le bras complètement sur mon manche. Et là, ça peut être Utsimakikomi. Donc, c'est un mouvement comme Sotomakikomi. Sauf que Sotomakikomi, mon bras est à l'extérieur, on sort la hanche. Ça, c'est Sotomakikomi. Et Utsimakikomi, c'est la même chose, mais avec le bras en dessous. On est obligé de m'enrouler par rapport à lui. Donc, quand vous voyez dans la nomenclature Utsimakikomi, ça n'est pas Utsimakikomi. Utsimakikomi, c'est vraiment l'idée de faire un makikomi, mais à partir de. Il doit s'enrouler autour de moi. Vous essayez Utsimakikomi ? Allez. D'abord, il faut faire des coups. Et moi, quand je prépare les élèves, je les oblige à choisir un delta qui peut être de 3, qui peut être de 4, qui peut être de 5. Et ça permet de mémoriser la prestation. Parce que quand vous faites une prestation qui est relativement longue, si vous faites deux opportunités, si vous faites trois combinaisons, si vous faites quatre enchaînements, après dans la mémoire ça se mélange et on est prouvé. Par contre, si je m'oblige à avoir un delta de 3, je sais que j'ai trois formes de Seoi Dagué. Donc je vais présenter au jury, il pose Seoi Dagué classique. Voilà, première forme. Je vais montrer Seoi Dagué. Alors des positions. Et par exemple, je vais montrer double Seoi Dagué. Par exemple, sur un partenaire qui me maintient la main en bas, en position, et là, je vais montrer un double Seoi Dagué. Et je vais montrer mes trois fois. Je vais montrer trois opportunités. Donc, je fais avancer du pied droit. Tac. Première opportunité. Je fais avancer du pied gauche. Deuxième opportunité. Sur déplacement latéral vers sa droite. Je vais montrer trois combinaisons. Gros Tsigari, point de Seoi Dagué. Utsigari, il pointe Seoi Dagué. DH Ibarai à gauche avec une garde à droite, il pointe Seoi Dagué. Je vais montrer 4 enchaînements. Trois enchaînements. Il pointe Seoi Dagué, il surpasse Tegaishi. Il pointe Seoi Dagué, il surpasse de l'autre côté, Tamaguruma. Il pointe Seoi Dagué, il surpasse, et j'enchaîne avec Utsimakikomi. Voilà. Je vais montrer 3 contres, 3 confusions. Hein, et comme ça organise mon travail. C'est comme ça qu'on prépare un mot. Hein, donc, pour le Newaza, c'est pareil. Ouais. Au moins, ça donne un cadre et une ligne de travail. D'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, les combinaisons, les enchaînements, c'est pareil en Jiu-Jitsu. Si on prend le cas de Kote Mawashi, que tout le monde connaît, normalement, Kote Mawashi, c'est ça, c'est l'avenir de la langue ici. Ça, c'est Kote Mawashi. Ça ne marche pas dans deux cas. Premier cas, c'est le partenaire hyper souple. La main, je la mène ici. Moi, j'ai des élèves, ils sont tellement souples que... Ah ouais. Et deuxième cas, c'est quand il est puissant et qu'il tire son bras. Voilà. Et là, je ne pourrais plus jamais avoir l'extension. Ben, c'est pas grave, je tiens son pouce, je passe en dessous, et là, j'ai le bouton. Et ça s'appelle côté au seuil. De là, côté au seuil, j'attrape le pouce. Ma main reste en dessous. Voilà, je bloque son pouce sur la poitrine, et là, je ferme. Allez, on essaye côté Osae, à partir de côté Mawashi. Merci. Si vous regardez de temps en temps les tours de magie à la télévision, vous avez le gars, il fait le tour de magie devant vos yeux, on arrive complètement en bas. Alors que c'est hyper simple. Là, il plie son bras. Je tiens son pouce. Et ma main reste en dessous. Du début jusqu'à la fin, il est en dessous. Et là, j'ai un bloc. Mais la main, si la main passe au-dessus, je me retrouve avec une clé de pouce. Et là, ça ne marche pas. Le but pour moi, c'est que ma main reste en dessous. Voilà. Et là, j'ai un coiffé sur la main. Allez, on essaye. À droite et à gauche. Enchaînement à partir de côté Osei ou côté Osei. Deuxième cas. Alors, je vous montre. Parce que ça, c'est important. Ça, ce côté Maoshi-là, on l'utilise que pour les débutants. Après, on fait le côté Mawashi des ninjas, c'est-à-dire le pouce entre le pouce et l'index. Et là, dans cette... voilà, là, il n'y a pas de laxité. Hein? Même s'il est hyper lax, l'action directe, là, ici, elle est efficace. Mais on a le même cas, c'est-à-dire que s'il plie le bras, bah, l'action, elle est inefficace. Bah, je passe par en dessous.
voilà, et je ramène dessous. Et celle-ci, il n'y a pas plus douloureux que Gyaku côté Neri, celle-ci. Elle est redoutable. Hein, donc j'essaye de faire côté Maruyoshi sur Ninja, il plie son bras, je passe sous son aisselle, et, que, voilà, et je ramène le petit doigt vers le cœur. Par contre, nous, on ne sent rien du tout, il faut aller tout doucement, hein, parce que si vous forcez, ça casse comme l'hiver. Donc tout doucement, j'amorce. Ça s'appelle Gyaku côté Neri. Côté Neri normal, il est comme ça. Gyaku côté Neri, sa main, elle est inversée. Donc j'essaye de faire mon côté Maruyoshi Ninja. Il plie, je passe par en dessous. Allez, on essaye. Deuxième enchaînement. S'il plie son bras, voilà, bah je descends son pouce. Et ça, ça s'appelle du Kitsigai. C'est la clé en Z, que l'on appelle vulgairement. Hein, voilà, parce que ça fait un Z. Donc ça, c'est un autre enchaînement possible. J'essaye de faire mon côté Maruyoshi. Il plie son bras, je sais que je peux passer en dessous pour faire Gyaku côté Neri. Mais je sais que je peux appuyer sur... Ici. Par contre, je garde toujours sa main perpendiculaire par rapport à son poignet. Si la main elle se libère, l'action est équilibrée. Il faut vraiment qu'il y ait une Z. On essaye ? Allez, doucement, parce que nous on sent rien, mais lui c'est très douloureux. Donc ça, ce sont les 8 opportunités de base. Et sur ces 8 opportunités, on doit être capable de savoir se défendre. Et après, sur ce qui est tentative de saisie, sur ce qui est étranglement de face, sur ce qui est sur saisie de la tête de côté, ce ne sont que des variantes. Comme dans le groupe judo, vous avez vu que sur un mouvement de judo, on peut le faire quand il avance le pied droit, on peut le faire quand il avance le pied gauche, on peut le faire quand il recule le pied droit, on peut le faire quand il recule le pied gauche, quand il se déplace latéralement vers sa droite, vers sa gauche, quand il tourne circulaire vers la droite, circulaire vers la gauche. Donc saisine à revers, première forme, contrôle, atténuer au niveau du visage pour me laisser le temps de travailler, et là je retourne sa main, le petit doigt en l'air, mon pouce entre le pouce et l'index et les doigts qui attrapent le bord cubital. Et là, je viens faire côté Maruyoshi. Et je mets dessous. Et ça, c'est la forme la plus forte de côté Maruyoshi. Saisie des deux revers, c'est pareil. Ça ne change rien. Contrôle. Atemi. Les deux mains vont s'ouvrir sur l'impact. Voilà. Hop, je récupère sa main. Côté Maruyoshi. Ça va ? Ça va les deux premières opportunités ? Allez, on essaye. Un revers, deux revers. Et on fait côté Maruyoshi, forme ninja. Bon, si Juliette, elle prend la Atemi dans le visage, la Atemi va être suffisamment puissante pour que sa main lâche. J'arrive pas encore à frapper et que la main reste là. Donc c'est pour ça que sur toutes les saisies, c'est d'abord je contrôle son poignet, seulement après je frappe pour que la main s'ouvre et à ce moment-là je vais pouvoir faire mon côté Maruyoshi. Saisie des deux revers, c'est pareil. Contrôle, tac, je frappe, les deux mains vont s'ouvrir, je récupère, voilà, et je fais mon côté Maruyoshi. La saisie la plus importante dans les arts martiaux, c'est ça, c'est le pouce entre le pouce et l'index et le doigt qui attrape le bord cubital. Ça sert pour. Côté Maruyoshi, ça sert pour Wakigatame, ça sert pour Udegatame, ça sert pour Gyaku côté Neri, ça sert pour Yukichigai. C'est vraiment la saisie la plus importante. Et pour toutes les clés, ça se fait toujours à deux mains, hein, sur le bras, sur le poignet, sur la main. Il n'y a aucune technique où on fait une main. Côté Maruyoshi, c'est à deux mains. Gyaku côté Neri, c'est à deux mains. Yukichigai, c'est à deux mains. Wakigatame, c'est à deux mains. Ichi Kudaki, c'est à deux mains. Côté Kudaki, c'est à deux mains. Toujours. Ça va ? Maintenant, c'est une appuyée de face non croisée. C'est la troisième. Même si elle me tient fort, je me dégage. Et là, je récupère sa main. Et là, je fais côté Maruyoshi. Par contre, je ne reste pas en face pour éviter de prendre un coup de pied, un coup de poing, un coup de genou, un coup de tête. Je me dégage. Tac, je donne ma main. Et après, je viens faire côté Maruyoshi. Et là, je révise dans l'ordre. C'est une revers. Tac. Côté Maruyoshi, saisie des deux revers. Tout ça, ce sont des gammes qu'on doit réviser. Côté Maruyoshi, signe appuyé de façon croisée. Dégagé, côté Maruyoshi. Allez, on fait les trois premières. Et ça, c'est valable pour toutes les clés. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas la saisir directement. Alors que là, en étant sur le côté, une fois que j'avais retourné la main, je pouvais la saisir directement pour faire mon côté Maruyoshi. Là, comme c'est ma main qui est saisie, qui doit attraper, donc je me dégage, récupérer son foyer, changement de main, côté, et après je fais mes quatre, saisine à revers, donc je m'entraîne, même sans aller très fort, je répète, saisine à revers, tac, je m'entraîne, saisine à foyer de façon croisée, tac, voilà. Et ça, tout ça, ça doit devenir automatique, dans cette position, allez, on essaye, quatre premières opportunités.
Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de le retrouver dans une situation que je connais, c'est-à-dire ses inappelés de face non croisés. Donc je m'approche de mon partenaire dans une position. Et le fait de faire ce geste-là, là, de faire un quart de tour et d'avancer, ça libère. Même s'il est puissant, il n'est pas obligé de lâcher. Et donc sur une saisie double, hop, et là je vais faire côté ma brèche. C'est comme si j'allais donner un coup de coude avec mon avant-bras. Tac. Me dégager côté ma brèche. Donc ça, c'est assez important. Le principe de dégagement, c'est de faire un quart de tour pour que ça soit la partie la plus fine du poignet qui passe entre les doigts, et j'avance. Regardez. Plutôt que d'essayer de tirer comme un malade, j'avance vers lui. Et là, ça me permet de dégager. Plus il est puissant, tac, plus c'est facile. Et après, je retrouve mon côté marouchi classique. Ninja. Allez, on essaye saisie double. On apprend à se dégager un poignet. Saisie d'avance. Mais c'est le même principe. Je me tourne toujours du côté où je suis attrapé. Je fais saisie de poignet. Voilà, non croisé. Ça correspond à une saisie croisée de face. Une saisie croisée de dos. Je me tourne du côté où je suis attrapé. Là, c'est une saisie non croisée de face. Là, super. D'accord ? Donc, les saisies de dos, c'est comme les saisies de face, mais inversement. Saisie non croisée de dos. Ah, mais c'est saisie croisée de face. Là, je me défends. Et une saisie croisée de dos, ça correspond à une saisie non croisée de face. Et là, je me défends dans le résultat. Il n'y a que la saisie double qui est plus compliquée. Allez, on essaye. Ouais, saisie simple. Ouais, ouais, c'est beau. Ça. On ne pourrait pas enchaîner par les techniques de contrôle. Donc, il faut que je sois un peu plus malin. Dans notre position, je vais fléchir. Voilà. Hop, et je vais ramener mes mains devant. Et après, je fais demi-tour. C'est comme une saisie croisée de face. Parce que la main extérieure, celle-ci en l'occurrence par exemple, hein, quand je fléchis, je ramène mes mains devant, voilà, sans monter les épaules, celle-ci elle va être dans l'utilisation. Regarde, tac, voilà. Et là-dessus, je vais me défendre, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Donc une saisie double de dos, ça correspond à une saisie croisée de face. Par contre, il faut que je fléchisse, voilà, et que mes mains passent. Voilà. Je ne peux pas lever comme ça, c'est pas possible, à moins d'avoir les épaules liées à l'hélice, ce que je n'ai pas. Donc là, dans cette position, je ramène mes mains vers l'avant, je fléchis. Et regardez cette main-là, elle est en fixation. Pas celle-ci. Automatiquement, c'est comme une saisie croisée de face. Donc on fléchit un petit peu, hein, ça fait un peu comme une révérence. Et puis après, on fait vite. Allez, on essaye. Ses bras doivent être au-dessus et les vôtres, saisis des deux revers. Contrôle, activer du fixage. Essayez d'avoir un petit un peu plus en. Un poignet non croisé, tac, ici, saute un peu. Un poignet croisé, voilà, c'est pareil. Deux poignets. Un poignet de dos non croisé, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire moi, je vais me déplacer pour un poignet de dos croisé, pour retrouver ce qui m'intéresse, et saisir les deux poignets de dos. Donc ça fonctionne sur toutes les luxations. Si on a gagné, c'est un revers, alors c'est sympa. Oui. C'est sérieux. C'est l'idée de revers. Tac. Là on tombe bien droit la rique. C'est une appuyée de face non croisée. Là, ici, on tombe bien droit. C'est une appuyée croisée de face, c'est la plus sympa. Allez! Ici, les deux poignets. Avance au pied droit. Un poignet de dos non croisé. Voilà, c'est toujours la même chose. Etc, etc. Dégage la main, c'est un revers. Tac, vous dégage la main. C'est deux revers. Tac, vous dégage la main. Viens pour côté inérique, c'est un poignet de face. C'est toujours le même principe. Il est deux poignets. Tout ça, ce sont des gammes. Un poignet de dos non croisé. C'est toujours pareil. Toujours. Il est deux poignets de dos. Bonjour. Ça fonctionne sur toutes les saisies. Ces opportunités-là,
quand vous savez une technique dans les 8 situations, vous êtes un dieu vivant des arts martiaux. Et là, je n'en ai montré que quelques-unes. Ah, mais Shionage, Tenshinage, Udekibenage, Iriminage, tout ça, ça fonctionne. Nous, on l'a fait sur le côté Mawashi. Ça va? C'est des chutes, hein? Allez, on passe pour cette finale. J'ai commencé à signer les passeports. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Bon appétit. Ici, vous avez la salle qui est ouverte en bas des escaliers là. Vous avez un vous avez des tables. Vous prenez ce que vous voulez, le principal c'est de le remettre.